les pénalités Google. Alors c'est quelque chose qui fait très très peur et j'aimerais justement éclaircir un petit peu ce sujet. Déjà il y a deux types de pénalités qui existent chez Google. La pénalité manuelle et la pénalité automatique. La pénalité manuelle c'est quelqu'un qui vous a dénoncé et du coup l'équipe qualité de Google est allée voir votre site, elle a vérifié, elle a constaté qu'en effet il y avait des choses que vous faisiez qui n'étaient pas dans les règles. Que Google veut que vous respectiez, et du coup, bah, ils ont choisi de vous pénaliser. Déjà, il faut savoir qu'on on peut, peut vous dénoncer. <laughs> il, y a, il y a un formulaire qui existe qui permet de dénoncer un site, de dire voilà, ce site ne respecte pas les règles de Google, et on explique ce qu'il fait, etc., etc. Et ça, c'est l'équipe qualité qui va le recevoir et qui pourra aller vérifier ce qui se passe derrière. Si vous avez souvent quelqu'un, euh, enfin des personnes qui viennent euh, dénoncer votre site, eh bien, euh, vous allez avoir euh, forcément à un moment un contrôle de l'équipe qualité. Et ce qu'il faut aussi comprendre là-dedans, c'est que si vous essayez d'arnaquer Google et que ça se voit, et par chance ça fonctionne, ce qui est rarement le cas, mais si vous arrivez à être premier sur Google, eh bien euh, vos concurrents, ça ne va pas leur plaire. Et s'ils si savent un petit peu comment ça fonctionne, ils vont aller vous dénoncer. Donc dans tous les cas, vous avez difficilement moyen de vous protéger lorsque vous arnaquez Google en fait. Donc c'est forcément, quand on essaye d'arnaquer Google, c'est forcément des techniques qui sont très court-termistes et c'est pas très adapté aux références naturelles. Donc ça c'est la première chose, c'est la, la pénalité manuelle. Ensuite il y a la pénalité automatique. La pénalité automatique c'est Google Bot qui vient sur votre site et qui détecte des infractions, donc des, des choses que vous faites qui ne respectent pas les règles de Google, et qui du coup décide de vous pénaliser automatiquement. Alors, soit à ce moment il va déclasser votre site, soit il va vous blacklister. S'il déclasse votre site, vous allez... Globalement, perdre des positions dans vos résultats. S'il si décide de vous blacklister, il va complètement vous enlever de ces résultats. Et donc là, il y a un problème et c'est vraiment problématique parce que vous avez, votre trafic il va tomber à zéro. Si vous êtes déclassé, votre trafic il va fortement baisser. Par contre, il ne va, va pas forcément tomber à zéro. D'ailleurs, le déclassement et le blacklistage, que ce soit en automatique ou en manuel, c'est une des deux solutions qui va être prise pour votre site. Dans les deux cas, en fait, que vous soyez déclassé ou blacklisté, vous avez nécessairement fait des choses qui ne respectent pas les règles de Google. Et c'est à vous de les corriger. Alors, si euh, vous savez ce que vous avez fait, ben voilà. Ben, vous d'assumer le problème, d'aller le corriger et d'espérer que les choses reviennent dans l'ordre. Si vous avez été juste déclassé, ça prendra un peu de temps et vous allez remonter. Si vous avez été blacklisté, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Parfois, ça peut être vraiment compliqué. Si, par contre, vous ne savez pas ce qu'il faut corriger, c'est sans doute que vous n'avez pas encore bien compris comment fonctionne le référencement naturel. Que vous vous concentrez pas sur pertinence et popularité et commencez à faire plein d'autres choses qui s'adressent pas à vos clients et que vous avez sans le savoir dépassé les limites de Google. Et dans ce cas, bah, il faut reprendre votre site et vous demander ok, est-ce que ce que j'ai fait là, c'est vraiment pour mon client ou est-ce que c'est juste pour plaire à Google, juste pour adapter, pour euh, arnaquer Google et essayer d'être me positionner et, et je m'occupe pas de mes clients. Si vous commencez à faire ça, c'est que vous dépassez la limite et que vous allez vous retrouver à un moment donné avec un site déclassé ou un site blacklisté. Alors ensuite, je voudrais parler de deux pénalités qui sont assez connues, qui sont Google Panda et Google Pingouin. En réalité, c'est pas des pénalités, c'est des algorithmes. Euh, Google Panda, c'est un algorithme qui juge la qualité des sites. Et en fait, c'est un algorithme qui va être basé sur le machine learning. Et c'est important de comprendre ça parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un algorithme qui évolue en permanence. Vous ne pouvez pas définir des règles, ni des critères qui vont dire, ok, là, je vais plaire à Google Panda. C'est un algorithme qui évolue tout le temps. Donc, c'est pas la peine de chercher des règles, c'est pas la peine de chercher des critères, de se dire, ok, euh, si je fais tant de mots, ça plait à Google Panda, non, ça, ça n'existe pas. Là, vous perdez votre temps, et peut-être que vous allez dans la mauvaise direction, parce que dans, le, dans, le, dans votre calcul, votre client, il apparaît nulle part. Donc, vous êtes peut-être en train de dépasser les limites de Google. Donc, ça, c'est important à comprendre. Comment vous allez éviter Google Panda En fait, vous allez tout simplement ne pas chercher des recettes toutes prêtes. Ce que je disais, ne pas se dire, OK, il faut 2000 mots. Là, typiquement, c'est une phrase que j'entends très souvent et que j'ai encore entendue récemment. Euh, j'ai été pénalisé par Google, euh, je vais rajouter des mots dans mes articles et dans mes pages. Ce n'est pas une solution. Google, il ne veut pas plus de mots. Encore une fois, Google, il veut que vous répondiez à la question de l'internaute. Si rajouter plus de mots vous permet de faire des pages qui sont beaucoup plus complètes, qui répondent beaucoup mieux à la question de l'internaute, ça peut fonctionner. Si par contre, vous rajoutez des mots pour rajouter des mots et plaire à Google, ça ne fonctionne pas. Donc, ne cherchez pas une recette toute prête. Encore une fois, répondez aux questions de vos prospects du mieux possible et essayez de supprimer ou d'améliorer les pages qui, sur votre site, ne servent pas à grand-chose, qui ne servent pas à vos utilisateurs et qui leur font perdre du temps plus qu'autre chose. Ensuite, le deuxième algorithme qui est très connu, c'est Google Pingouin. Et Google Pingouin, lui, il va juger la qualité des liens qui pointent vers votre site. Comment vous allez éviter Google Pingouin Mais en fait, vous allez tout simplement. Oubliez les techniques qui sont juste là pour gagner du lien. En fait, dès qu'une technique est trop facile pour obtenir un lien, la plupart du temps, c'est une mauvaise technique. Je vous donne l'exemple des annuaires. Euh, on, un annuaire, c'est tout simplement, on remplit un formulaire, hop, on a un, on a un lien, on est content. Le problème, c'est que la plupart du temps, les, les, vos prospects ne visitent pas ce site. Euh, ce site n'est là que pour créer des, annuaires, des liens, et du coup, il n'apporte aucune valeur, aucune information très pertinente aux, aux, aux utilisateurs. Et du coup, vous avez un lien sur un site qui globalement est pourri en fait. Et du coup, bah, vous avez un lien pourri. Et plus vous avez de liens qui sont mauvais, plus vous allez impacter négativement votre référencement. Et à terme, peut-être vous prendre une pénalité par Google par En fait, ce que vous devez faire, c'est travailler véritablement votre popularité. Vous devez aller faire parler de vous sur des sites qui sont visités par vos prospects. Par exemple, les sites de vos fournisseurs. C'est des sites qui peuvent très bien être visités où on ne peut pas forcément acheter le produit, mais où vos, vos prospects peuvent très bien aller se renseigner sur les produits. Et si vous obtenez des liens sur ces sites-là, c'est des sites qui sont totalement légitimes, des liens qui sont totalement légitimes et qui vont du coup vous apporter une vraie visibilité, une vraie popularité. En fait, dites-vous qu'à partir du moment où votre lien, personne ne peut le cliquer, parce qu'il est sur un, sur un... Aucun de vos prospects ne peut le cliquer parce qu'il est sur un site qu'ils ne vont pas visiter. Parce qu'il est sur un site dont tout le monde se fout, c'est un, un mauvais lien. Allez sur un site où vous avez vraiment vos prospects, où il y a vraiment de la qualité qui est faite, où finalement tout le monde ne peut pas arriver et déposer un lien comme ça, eh bien là, il y a des chances que vous obteniez un très bon lien. Augmentez votre visibilité, allez sur des sites que vos prospects visitent, faites des deals avec ces personnes-là et essayez à chaque fois d'obtenir un lien. C'est comme ça que vous allez éviter Google par Je vais aussi parler un peu du dupliqué de contente. Le dupliqué de contente, c'est souvent pris pour une pénalité, mais en fait, ce n'est pas du tout une pénalité. C'est juste un constat que Google va faire, mais pas une pénalité. Et il y a deux types de dupliqués de contente différents. Il y a le dupliqué de contente externe, c'est-à-dire vos pages sont similaires à des pages d'autres sites. Et ce qui se passe, c'est que si Google considère que vous êtes le copieur, bah, il va déclasser votre page. Et si par contre, il voit que vous êtes trop souvent copieur, vous copiez trop souvent des contenus depuis d'autres sites, là, il peut déclasser votre site. Donc là, attention, c'est problématique. Vous avez des outils qui existent pour détecter le, le dupliqué de contente externe, notamment Setliner et CopyScape. Je vous invite à les utiliser, ils sont assez intéressants pour ça. Et vous avez le deuxième type de duplicate qui est le dupliqué de contente interne. Là, ça veut dire que vous avez des pages qui sont similaires à l'intérieur de votre propre site. Pour ça, Google va ignorer les pages en double. Ce n'est pas forcément grave. Okay. Si par exemple, je pense aux sites au, au e-commerce qui vont avoir des pages produits très similaires, Google va en ignorer, euh, si vous en avez 5, il va en ignorer 4, il va en prendre qu'une. Ce n'est pas la solution idéale, mais ce n'est pas forcément dramatique. Okay. Google préférait que vous n'ayez pas ces pages-là, mais pour le coup, euh, il comprend aussi que ça puisse exister. Dans un site e-commerce, on a des produits avec des couleurs différentes, on n'a pas forcément plein de choses à raconter sur, sur, sur toutes ces pages-là à chaque fois. Donc il est OK aussi avec ça. Essayez d'en avoir euh, moins si vous pouvez. Essayez de voir si vous pouvez en éliminer quelques-unes qui ne servent pas. Euh, si vous pouvez réunir toutes ces pages en une seule, faire un système de déclinaison, etc. Ça peut aider Google parce parce qu'au final, Google va perdre du temps à aller voir 10 pages euh, au lieu d'en voir une. Et ça, bah, Google préférait gagner du temps avec son Google encore une fois, sur AHREF, vous avez un onglet qui s'appelle site audit et qui va vous permettre de dé détecter le dupliqué de contente interne de votre site. Et enfin, comment vous allez pouvoir éviter à coup sûr les pénalités et ne plus jamais vous en soucier Le référencement naturel que je fais, je ne regarde pas les mises à jour de Google, je ne regarde pas les changements d'algorithme, etc. Je la regarde juste en fait parce que ça m'intéresse, parce que ça me. Euh, quelque chose qui me passionne, mais je sais que ça n'impacte pas mon référencement naturel et ça ne l'impacte jamais. Donc, comment vous allez pouvoir faire un référencement naturel qui va justement ne pas craindre les changements d'algorithme qui ne va pas craindre euh, de pénalité, eh bien vous devez faire tout simplement ce que Google attend de vous. C'est-à-dire, et j'y reviens encore une fois, de la popularité et de la pertinence. Et si on regarde bien, Google Panda, c'est l'algorithme le plus connu qui va s'intéresser à la qualité des sites, donc on parle ici de pertinence, et Google Pingouin c'est le deuxième algorithme le plus connu et lui il va s'attarder sur les liens la qualité des liens c'est à dire la popularité donc si les deux algorithmes les plus connus il y en a un c'est pour la pertinence l'autre pour, pour la popularité c'est bien que Google met tous ses efforts pour vraiment que ils mettent en avant les sites les plus pertinents et les plus populaires donc si vous faites vraiment ce travail là tous les algorithmes que Google va sortir ce ne sont que des algorithmes qui vont soit Essayez de mieux juger la popularité, soit essayez de mieux juger la, la, la pertinence des sites. Et si vous vous, vous concentrez là-dessus, la seule chose qui peut se passer quand il y a un nouvel algorithme qui sort, c'est que soit bah, il, il se passe rien pour vous, soit vous montez parce que vous, vous, il y a certains de vos concurrents qui sont tombés en fait. C'est juste ça en fait qui va se passer. Donc, je vous invite vraiment à vous concentrer sur la popularité et la pertinence.